Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du lancement de l'airdrop de Blume, hein, le lancement et certaines informations sur le projet Hamster Combat. Si tu te retrouves dans ce projet, qu'est-ce que tu dois savoir? Qu'est-ce que tu dois faire? Nous allons parler de tout cela dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Pour avoir les bonnes informations, tu le sais très bien. Il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est ici sur la chaîne Cliquez pour gagner. Donc, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la clochette de notification. Les gars, vous avez vu la dernière, l'avant-dernière, bien sûr, la vidéo que nous avons faite, celle-ci. Hein? Cliquez pour gagner crypto airdrop surprise 2024. Tu as vu cette vidéo? Là, cette vidéo, vraiment, c'est une surprise pour toute la communauté Cliquez pour gagner. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, elle serait à la fin de cette vidéo pour que tu puisses la regarder tranquillement, ou bien serait juste en carte en bas de cette vidéo pour que tu puisses la regarder tranquillement pour comprendre l'ambiance réelle de Cliquez pour gagner et pour voir simplement que Cliquez pour gagner, ce n'est pas juste une communauté crypto. Au-delà même d'une communauté crypto, on est comme une famille. Tu vas comprendre en regardant cette vidéo surprise 2024. Alors donc, avant de continuer la vidéo, nous allons parler rapidement de Nicolas Maduro. Nicolas Maduro, c'est le président, comme dit, il n'a pas été élu, il a été élu, etc. Bon, après, chacun choisit ce qu'il veut. On nous informe clairement et simplement que, face aux sanctions qu'il est en train de recevoir avec d'autres pays, il a dit, il répète clairement quelque chose. Ça serait mieux de reprendre les négociations en crypto, parce que ils avaient bloqué le pétrole qui était la crypto-monnaie qui avait une parité sur le pétrole du Venezuela. Donc voilà, donc après ils ont arrêté, maintenant ils vont reprendre. Les gars, c'est toute une salade pour dire simplement que les gars, regardez même la Russie, regardez actuellement la Russie. Même semblerait même dit que ce monsieur-là, il a eu même son jet privé. Bah, je crois bien, j'ai vu l'information, son jet privé qui a été réquisitionné par les autorités américaines. Et bon, c'est Elon Musk qui parlait de cela, que bientôt ça sera aussi notre ministre suprême, Alessandro Moraes aussi. Bon, les gars, là pour le tout, c'est comment c'est, non? C'est toute une salade mélangée de beaucoup de choses. Nous sommes en train de voir ce qui se passe réellement dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Les gars, franchement, c'est ce que j'ai dit, en crypto-monnaie, quand tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas avancer. Non, et il faut avoir un cœur bien préparé. C'est-à-dire que il ne faut pas que ça soit grillé aussi. Quand c'est grillé, tu sors. Tu es injecté de l'écosystème. Mais quand c'est bien préparé, bien, bien acquis, mon frère, tu vas t'asseoir et tu vas te faire de l'argent avec le. Quand les gens pleureront, toi, tu riras. C'est comme cela, c'est. Regardez le Bitcoin. Tantôt 60 000, tantôt 59 000, tantôt 59 000. Peut-être d'un coup, elle peut redescendre en bas 50 000, ou d'un coup, elle peut repartir en dessous, au-dessus de 70 000. C'est possible. Mais il faut se préparer. À toute éventualité, il faut se préparer. Si tu ne te prépares pas, tu ne pourras pas manger. Peut-être tu seras le manger pour d'autres personnes. Au même moment, nous allons parler du projet Blume. Les gars, le projet Blume nous annonce son lancement. Oui, son lancement. Le lancement de Memepad. Franchement, je suis en train de voir Memepad d'un bon œil. Mais au même moment, d'un mauvais œil. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, quand je fais mes analyses, je peux toujours me tromper. Hein. Je n'ai pas la boule de cristal. Loin d'avoir la boule de cristal. Les gars nous disent simplement qu'ils sont prêts pour le lancement de Memepad. Le Mempass, c'est l'option qui te permet de créer tes crypto-monnaies, de pouvoir créer une crypto-monnaie, voilà, rapidement et simplement en utilisant le réseau de la blockchain de Ton. Bon, c'est bien. Nous avons vu les conjonctions des transactions dans la blockchain de Ton récemment. Ils ont dit qu'ils ont arrangé. Moi, je vous dis, je suppose et je crois bien que cette conjonction va encore revenir encore. Ça va encore revenir. Ça me rappelle juste le scénario de Solana. Juste le scénario de Solana. Parce que quand je vois ce qui se passe, je me dis clairement que non, que bon, c'est l'histoire de Solana qui est en train de se répéter ici. C'est l'histoire de Solana. Donc, les gars nous disent simplement et purement que ils sont, hein, tu peux maintenant créer ta crypto-monnaie, mais ils ont mis un document en place. Et ce document-là, tu vas remplir. Donc, Blume ne met pas le concept. D'accord? Le concept de pouvoir créer son token dans la blockchain de Ton. L'avantage, c'est que quoi? C'est que la monnaie Ton va être beaucoup valorisée. Premier point. L'inconvénient, c'est qu'il y aura conjonction. Tout le monde va se lever pour créer sa crypto-monnaie, premièrement. Et secondo, il y aura de n'importe quoi. Déjà dans l'écosystème, il y a déjà trop de n'importe quoi. Ça, là, ça va donner encore plus de n'importe quoi encore dans l'écosystème. Ce qui est triste, réellement. Dans ce lancement, il dit simplement, hein, tu dois mettre ton idée. Ton idée Blume, je crois que c'est ton pseudo. Maintenant, on demande encore le pseudo Telegram. Deuxièmement, le nom
D'accord, de ton token. Hein? Exemple, si le token c'est Aristide Coin, l'abréviation serait Harry Coin. J'ai un exemple, c'est que tu dis de n'importe quoi. L'abréviation ici, l'abréviation ici. Le logo, une description en deux lignes de ton. De ton. Quoi peut-on? De ton projet, de ton token. Et ici, un lien sur un hashtag si tu étais influenceur, si tu as déjà fait des vidéos, exemple comme en mettant Blume même pas. Donc les gars veulent créer une publicité forte sur le même pas, ce lancement-là. Donc je trouve ça bien. Ils sont en train même de lancer un concours. Rappelez-vous que les gars ont distribué récemment un peu plus de 1 million de dollars. 1 million de dollars. 1 million de dollars en Dox. Maintenant, ils sont en train de donner encore de l'argent encore aux gens qui vont vouloir utiliser leur service de même pas là. Donc, ils disent ça commence le 10. Je crois bien. Et non, non. Et ça va finir le 10. Ça a commencé, ça va finir le 10. Et le 12, ils vont donner les résultats. Bon, là, c'est l'information obtenue, l'information reçue. On fait comment? On est déjà dedans bien. Donc, ici, ils expliquent ça clairement. Hein, quelqu'un dit c'est un bon projet. Mais vous savez, le projet Blume, ce qui fait la différence du projet Blume, le projet Blume ne parle pas de listing. Non, les gars ne parlent pas du listing. Ils parlent de tout ce qu'ils vont faire, mais ne parlent jamais de listing. Ils ne parlent même pas du jour, de quand est-ce que les tokens vont être libérés, c'est-à-dire le TGE. Donc le lancement de leur token, ils ne parlent même pas. Ils ne parlent même pas. Je sais que peut-être les Blume, on va les convertir en Blume token. Il y aura une conversion, hein, je ne suis pas sûr. Il y aura une conversion. Ça, soyez en sûr. Ça ne serait pas comme Dogs. Et vous allez voir qu'ici, sur l'image. C'est l'image de Docs qui nous montre comme voilà le design qu'ils ont pu faire ici, Docs. Bon, ça dit qu'il y a un grand lien entre Docs et le projet Blume, sincèrement. Donc, en voyant ça, on s'est dit clairement, c'est quelque chose qui arrive et quelque chose qui veut arriver. De toute façon, je n'ai pas la boule de cristal, je vous apporte juste l'information du lancement du projet de Blumepad. Maintenant, concernant Hamster Combat, les gars. Hamster Combat vient d'annoncer, l'une des nouvelles que nous connaissons tous, le listing. Quand tu prends ton Hamster Combat, quand tu prends ton Hamster Combat actuellement, d'accord, tu rentres dans Hamster Combat, tu vas voir qu'il y a quoi. Tu vas dans partie iDrop, tu vas voir. La dernière fois c'était OKX, c'était OKX et maintenant nous sommes en train de voir quoi. Nous sommes en train de voir purement simplement l'échangeur Bybit. Mais si on suit, j'aime faire ce genre d'analyse, si on suit l'ordre qu'eux-mêmes ils ont listé dans leur site, rentrons dans leur site rapidement, dans leur site, nous allons remarquer une chose. Nous allons remarquer une chose. Quand on est dans notre site, nous allons voir, même quand tu rentres dans la partie échange, les échangeurs, tu vois qu'il y a déjà OKX, ils ont sauté quoi? Ils ont sauté crypto.com. Ils ont sauté crypto.com. Donc, oh, nous savons que. Et le projet, et les gars là, en tout cas, il faut être prudent, vigilant, il faut avoir l'œil. Or, nous savons que l'échangeur est en partenariat avec crypto.com. Ils ont annoncé une fois le partenariat avec crypto.com. Et ils nous disent clairement que le listing, c'est sur le 29, le 26 de ce mois. Ils vont libérer les pièces, mais pour le moment, on n'a pas encore les conditions de libération. Ça, c'est un peu quelque chose. Qui tapote un peu l'esprit, qui nous tapote un peu l'esprit. Et les conditions, ils sont en train de nous envoyer en bateau, en bateau, en bateau, mais jusqu'à où nous irons, nous verrons clair comme de l'eau de rose. Donc, nous sommes en train de voir que maintenant, quand tu appuies sur iDrop, tu viens sur Withdraw, tu vas voir quoi? Bybit. Et quand tu appuies sur Bybit, la même fonctionnalité, s'enregistrer. Donc, ça dit que ils vont apporter de la clientèle à Bybit. Ceux qui n'ont pas encore le compte sur Bybit, vous devez créer un compte et. Et voilà, utiliser le code de BitJet, tout cela. Donc, ceux qui n'ont pas encore. Donc, ils sont en train de faire le truc lentement, mais tout à fait sûrement. Lentement, mais tout à fait sûrement. D'accord? Donc, il y a une chose que tu dois comprendre, mon frère. En crypto-monnaie, si le projet continue, ceux qui sont patients profiteront. Mais ceux qui se lassent, ceux qui se fatiguent de temps en temps. Non, moi j'en ai marre, moi j'en ai quoi, j'en ai ça, j'en ai ça. Hein? Mon frère, ma soeur, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Les impatients, il y a certains qui ont désinstallé un seul combat. Maintenant, il y a certains qui ont supprimé leur compte. Ils étaient tellement fâchés. Comme on dit, ils ont gros cœur. Oui, il y a ça, il y a des gros cœurs, des gens. Qui pensent que c'est le champ de cacao de leurs parents, comme si c'est une obligation.
Regarde, ici, là, c'est les gars qui décident. C'est les gars qui décident de comment ils veulent jouer et avec qui ils veulent jouer. C'est toi, tu es qui? Comme le dit un président, hein? Tu vas en souffrir, mais tu ne peux rien faire. Soit tu quittes. Tu vas en souffrir, mais tu ne peux rien faire. Donc, les gars, le projet Blume fait son lancement. Le projet, comment appelle-t-on, Hamster Combat continue. On attend impatiemment Binance. Mais s'ils ne mettent pas Binance, on va en souffrir, on ne peut rien faire. C'est tout. Sois réaliste. Arrête de prendre ça comme si c'est le champ de cacao de ton papa. Arrête de prendre les thèmes comme si c'est le champ de cacao de ton papa. Il y a certains même, ils veulent vivre des thèmes, mon frère, doucement. Doucement. Baby, calm down. Doucement, mon frère. C'est un peu trop exagéré. Pour certaines personnes, c'est trop exagéré. Moi, je te dis une chose. Fais les tape to earn, mais ne mets jamais les organes. Quand tu vas commencer par mettre les organes, tu vas te sentir mal. Et tu vas leader. Tu vas leader. Attention. Fais ce qu'on te demande de faire. Mais toutefois, en ne mettant pas les organes. Soit ça passe, soit ça casse, c'est tout. Je t'invite à t'abonner à notre channel Telegram en cliquant sur le premier lien. Le deuxième, notre compte X et le troisième lien pour tous ceux qui veulent se former, avoir une bonne formation dans l'écosystème et avec un accompagnement de l'équipe Cliquez pour gagner. On se dit à la prochaine vidéo et regarde la vidéo qui va suivre tout à l'heure. Elle est en haut, à gauche, à droite ou en bas. Regarde là, tu vas comprendre réellement le sens de Cliquez pour gagner. C'est toute une famille. Merci.